Riez, riez, puisque c'est le moment de votre petit billet, puisque c'est la reprise. Et oui, je me suis absentée une semaine, alors on a des nouvelles d'Olivier Dussopt ? Oh, Olivier. Je dirais, il est toujours vivant. Apparemment oui, car le journal Le Monde nous donne des nouvelles dans un long portrait où l'on apprend qu'il se lève tous les jours à 5h15 du matin pour faire 50 pompes et il enchaîne avec autant d'abdos. Il est donc ministre du Travail et du Fitness. Et il livre son petit secret pour tenir la forme, un régime protéiné à base de steak tartare. Fabien Roussel est tombé amoureux. Alors dans ce portrait, tout est fait pour transmettre le message que le ministre tient bon et qu'il ira jusqu'au bout. Agnès Pannier-Runacher déclare même « On a découvert un dur à cuire ». Donc Dussopt, il est arrivé au gouvernement, c'était Jean-Claude Duss. Aujourd'hui, c'est Chuck Norris. Bah oui, là, il fait de la muscu, il mange de la viande crue. Manque plus qu'une photo de lui en train de broyer une canette de 8-6 pour illustrer l'article. Et là, joli storytelling. Déjà, le mec a grandi en Ardèche. Terre aride, où il a été élevé au milieu des loups. Bon, en vrai, j'ai chopé une info. Il a grandi à Peaugres, dont la principale attraction est un zoo avec un parcours safari en voiture où tu passes au milieu des ours. Donc là, ça ne peut pas coller. Parce que tout est fait pour donner à Dussopt une image de bad boy. À l'époque, Dussopt traîne dans les bars et devient champion régional de baby-foot. Il fait régner la justice dans les quartiers les plus violents de l'Ardèche. Grâce à sa maîtrise parfaite du jiu-jitsu karaté kung-fu, il a une tête de mort tatouée sur le pecto droit et un piercing à chaque téton. Et dans le coin, il est surnommé le fauve des bas-fonds de l'Ardèche. Consacre une chronique, c'est vraiment un bad boy. Cette image de lui, ça va bien calmer ses opposants à l'Assemblée. Dans les rangs, LFI, on va entendre « Non mais t'es fou, tu vas pas t'en prendre à lui, c'est Olivier Dussopt, le type mange de la viande crue !» Et là, je me demande, est-ce vraiment nécessaire de forcer le trait sur ce côté dur ? Parce que le texte de la réforme est largement suffisant comme preuve. Hein. Limite, on nous dirait « Olivier Dussopt est sans pitié », nous on dirait « Bah ouais, merci, là on sait, ouais !» Lui dit que c'est pas nécessaire de surjouer le virilisme pour être un costaud. Il aurait même déclaré « François Ruffin ou Teddy Riner, c'est quand ils veulent où ils veulent. » Et là, le texte, à partir de demain, passe au Sénat. Ça va finir en octogone avec Bruno Retailleau, quoi. Vous imaginez bien sur qui je vais parier. Mais autant on peut comprendre ce régime pour affronter l'Assemblée, autant pour le Sénat, une petite soupe et quelques notions en bridge auraient dû suffire. Dussopt lui revendique sa discrétion et explique que cela ne remet absolument pas en cause ses compétences. Si on suit ce raisonnement, Franck Riester doit être hyper compétent. Et enfin, le portrait du Monde nous apprend que le ministre du Travail ne connaît qu'un seul chef, le président de la République. Moi, je trouve ça normal, parce que quand on bouffe du tartare tous les jours, c'est pas pour être dirigé par une gonzesse. Eh ben tiens, moi, je vais me remettre à la viande crue. Hey, merci, Charline. Sans prix.